bonjour à tous. Nous vous souhaitons plus pour les deux jours du colloque international de Paul Institute sur le thème adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est, défis, opportunités et enjeux. Alors, nous commençons par vous présenter le programme. C'est le débat. Nous inviterons Nikès Kidel-Belmopa, qui est journaliste. Nous avons décidé de focaliser, de centrer notre réflexion
Qu'est-ce que nous avons besoin de cette nouvelle intégration? Quels sont les défis économiques? Quels sont les défis politiques, les défis sécuritaires? Je crois que cela impose à la RDC d'aller dans la zone est. Voilà, c'est donc autant de questions qui seront débattues pendant des jours. Et comme d'habitude, nous espérons qu'à l'issue de ces deux jours de débat, on aura des recommandations fortes qui vont permettre à Paul Institute d'aller faire un travail en politique. Parce que nous n'allons pas nous arrêter ici. Il y a des recommandations qui vont sortir. Et nous allons essayer, dans la mesure du possible, de rencontrer les preneurs de décision, soit au niveau provincial, soit au niveau national, soit même au niveau régional. Et donc, je tiens à vous remercier de vous être déplacé. Je sais qu'il y a des gens participants qui sont venus de très loin, bien plus, et qui sont venus de Bukavu, de Kinshasa, de Burundi, Rwanda et d'ailleurs. Bien plus, et c'est un plaisir de vous avoir avec nous ici aujourd'hui. Un remerciement particulier aux orateurs. Je sais que Jeanne, mon directeur de recherche, les a beaucoup bousculés pour qu'ils nous présentent, attend leur présentation de PowerPoint. Merci beaucoup d'avoir envoyé ces présentations et j'espère qu'on aura des jours d'échange très fructueux. Merci beaucoup et Kanikusa. De cette plateforme
représentants des organisations régionales, je disais que ce colloque est une opportunité de réflexion et d'échange entre les différents acteurs congolais et étrangers afin d'apporter la lumière de ces questions. Mon souhait est que cette journée soit riche. Pour conclure, je voudrais adresser mes remerciements aux collègues pour l'organisation de ce colloque, aux intervenants qui ont préparé le contenu et à tous ceux qui sont venus la confiance et pour votre participation. Je vous remercie. Mais la distance est longue entre ici et son problème, et nous pourrons aussi l'accompagner avec votre applaudissement. Alors, en attendant que le gouverneur ou son représentant arrive, je vais nous inviter avec l'aide de la logistique à nous diriger là où nous allons prendre notre photo de famille et la pause café. Peut-être que la logistique, c'est au niveau du restaurant. La pause café est servie juste ici à l'extérieur. On va peut-être nous indiquer où est-ce que nous allons prendre la photo de famille. D'accord, je veux que ça soit démocratique. Alors, si nous sommes d'accord, applaudissons pour dire qu'on est d'accord. Donc, je vois que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, on reste encore dans la salle. Est-ce qu'on est d'accord qu'on peut aller prendre notre pause café? Veuillez le manifester par vos applaudissements. C'est ça le vote. Alors, nous avons exactement 15 minutes pour la pause café et nous allons revenir pendant ce temps. Ceux-là qui vont faire des présentations peuvent les remettre au niveau de la technique pour projection. Merci beaucoup.